nous avons pris Michael. Et mon frère Michael, bien évidemment, il partait comme ça, hein, vendredi 26 mai 1967. En tout cas, personnellement, là, arrivé là dans les 6 heures, c'est les gendarmes mobiles qui étaient occupés au point Michael. Et à cas changé, aussi c'était gens là, des millions qui tenaient au genou à terre et qui étaient tirés en l'air. Et donc, on a mis le côté con couché. Et tout pour le malade, c'est des mouvements. Et singulièrement, Vieux-Bou abîme pratiquement pas de moyens pour être circulé. Parce que t'es mis des tuyaux, tuyaux à de l'eau à 50, même peut-être plus. Que l'ensemble des jeunes qui étaient occupés à ce moment-là étaient répartis sur tout le boulevard. Donc, grande difficulté pour circuler. Mais ça a été passé, là, la nuit commençait à tomber. Côté site en particulier, moi, partir là encore. Mais l'idée témoin qui explique nous et nous comprendre bien, que tenait des jeunes à Vieux-Bou, et notamment des jeunes à la Pomont-Bruno, qui étaient assis côté site, et chaque fois, camion ou camionnette, la gendarmerie était venue, ils étaient rentrés dans les couloirs pour protéger eux. Et c'est comme ça, côté 6h30, Denis t'arrête. Et vers un certain nombre, il était à plusieurs, il était à 3 ou 4. Et on patrouille, il vivait, ils rentrait à tel là, à un petit bouquet bois là, nous avons là, côté maison à l'extérieur, à un couloir. Au premier entrée, au deuxième entrée, au troisième entrée. T'arrête pas ni temps André. Et il laissait voir en balle. Il tombait. Troisième là, tournait, il ramassait, t'arrête. Il levait, t'arrête. Il avançait, il tirait encore 2 fois à cet arrêt. Il était 7 pour la ça, il était à terre. Et c'est comme ça, Camille t'arrête. Un petit beau gars, 24 ans, qui tenait 2 simons, maillé, qui arrêtait là pour moi, Bruno, tombait ici dedans. Tout simplement parce que méchanceté à pouvoir colonial là, roté vieille. Mais ça n'a pas été suffisant, puisque le chahier qu'on a là, pour mon brino, à 300 mètres plus haut, à droite, et Zami a été honoré, mon là, et en veille là. On a patrouille passé en veille là. Ils ont fait l'air, bref, quand ça a fermé. Et là, les jeunes langues ouvraient votre là, ils recevront un val. Et ils tombaient en pied à mon lard. Langue t'arrête tomber comme ça, vendredi soir, 26 mai 1967, côté site. Ici, d'un coup, t'arrête, la Coumont Bruno pour langue. Et là, il faut nous comprendre, nous pas remonter le temps. Puisque nous avons ici la place là avec toi. Mais à un moment là, ça pour nous saisir. Dans la nuit avant le 26 mai là, c'est ratissage tout long, en toute la rue d'après. Montée, sale nègre, comme ça, vous êtes capable de les barres. D'ailleurs, pas venu pour faire monter un camion à eux. Et tenir des lieux de stockage à la nuit avant le 26 mai. Pas de ça, les vendredis. Pas de ça, les samedis non plus. C'est après nous comprendre ce qui passait. Peut-être que si nous étions au courant de ce qui était fait ou ce qui fait le vendredi soir, nous n'avons pas osé manifester le samedi matin. Mais toujours est-il que le vendredi soir, à la sous-préfecture, c'est un lieu de stockage annexe. Là où tu es des dizaines de monde, d'après témoignages vivants à monde, qui jouaient les morts, qu'on pêche à ça. Et aussi, à ce côté de là, qui que dit à là, parce que nous comprenons aussi qu'il y a une deuxième lettre de stockage à Moun, qui a été arrêté comme ça et rassemblé. Donc, voilà le deuxième petit point que nous avons envie de faire pour nous, nourrir mémoire, excusez-moi, nourrir mémoire pour nous continuer à faire
conscience vencée. Nous pas poursuivre et nous pas rentrer en ville pour nous arriver à la place. Et on poursuit direction place de la Victoire.